commencé avec le Pomzo. Ça, je pense que l'air où tu vois Guy. Guy, il a expliqué les lamentations. Soit nous l'autre tu commences à vivre le Yoak Omzo je sais plus quoi donc est-ce que mon gros l'air une bonne fois pour tout c'est comme je dis tout de suite là naturellement ou des Omzo ben il des buzz là tu vois ce que je veux dire mais là une dame de mes demandes non Omzo il n'est plus un artiste de buzz là Omzo là maintenant il bosse chez Kizit donc bi rupture bi amen on s'est posé man Omzo, avec tous les membres du studio, on a décidé j'appellerai ça stratégie. Voilà comment tenir rupture bi, de nous y accal, nous sommes bien. Mais tamit du yakal ni nous liguer, du yakal ni nous liguer, moi du yak fanbase commune bouyam. Parce que Buzz Lab, c'est nos fanbase, c'est même plus une fanbase, c'est une grande famille. Donc dans cette grande famille là, il y a des particularités. On a comment tenir, ils ont beaucoup plus un penchant pour Omzo. On a comment tenir beaucoup plus pour Bass. On a comment tenir Zou. On a comment tenir Kenem. On a comment tenir Kenem. On a comment tenir Kenem. Et donc pour ne pas créer une rupture, pour comment tenir Nyom, pour nous comprendre l'information, mais la grande rupture, non. Donc on s'est posé, il donc faudra faire li, pour un peu permettre rupture parce que c'est ce qui est dommage de l'année pour construire une affaire après boy juste parce qu'ils n'ont pas compris l'information. Donc on s'est posé, on a décidé de faire un certain nombre de compromis. Ok. On est parti jusqu'à ce que affaire bobu non yegna maturité xamna ni insta yi ni boy xamna ni que tchoul quoi c'est juste que Omzo dafa nekatul buzz là tu vois et le fait que nekatul buzz là ça ne doit pas être une source de rouleau entre buzz là avec Omzo ou entre un fan de Omzo et un fan de Bass ou un fan de quelqu'un d'autre et puis on est parti ba xamné boy comprendre nañ lool donc on s'est dit légui nak on va agir de manière professionnelle on a réglé les problèmes familiaux on a évité le drame familial donc on va agir de manière professionnelle agir de manière professionnelle moi agir de label à label cadre pro quoi cadre pro donc c'est un concert de Kizit tu vois et Kizit qu'on le veuille ou pas c'est aujourd'hui ben label bu ñew tégo la tu vois amna yenen label yo xamantene peut-être qu'on a un lien spécial avec Omzo, mais on n'a pas ce lien-là avec Kizit. Kizit, tu vois, c'est un label comme un autre. Tu vois. Donc, étant donné que nous avons été conservés et que Buzz Lab Instant est devenu un repositionnement, stratégiquement, ce n'était pas intelligent que nous ayons été conservés. Omzo nous a appelé pour qu'on y aille. Mais franchement, on s'est posé, on a vu que Lini, franchement, businessment parlant, ce n'était pas une bonne chose. Ok, écoute, je pense que entre les deux labels, pas entre Cannabis et Omzo. C'est pas une question de personne, c'est une question de business. C'est une question de concept. C'est une question de business. Et il y a d'autres trucs, de label à label, je m'intéresse. Peut-être que c'est pas le moment d'en parler, mais il y a encore un problème. Ce qu'on dirait d'infidèle aussi.